Blutch, c'est en même temps une bande dessinée, c'est des rythmes, c'est des couleurs, c'est de la musique. Et quand je vous vois cette troupe magnifique, et je le dis pas du tout pour, je le dis pas du tout, je le dis pour vous flatter. J'ai adoré, adoré. Quand la première fois que j'ai lu, mais déjà j'étais très content de revoir apparaître le nom d'Hervé Blutch, que j'avais vu La gelée d'arbre quand j'étais vraiment en gamin. J'étais adolescent à Dijon, j'avais vu ça, je me souviens de la gifle que je me suis prise, et je me souviens de l'envie que j'avais eue de voir du théâtre comme ça beaucoup, toute ma vie, d'en faire, et de me dire, putain, si c'est aussi joyeux, aussi rapide que ça, le théâtre, ça va me régaler. Non, je ne connaissais pas Hervé Blutch, je connaissais sa pièce, qui est une manière de le connaître. J'ai trouvé cette pièce satisfaisante parce que, non plus que satisfaisante, surtout étonnante. Et c'est ça qui compte, c'est la surprise. Non seulement l'auteur est vivant, mais il demande une grande troupe. Donc quand c'est pas un grand classique que tout le monde connaît, c'est pas forcément un metteur en scène mondialement connu que vous avez sous les yeux, mais quelqu'un de passionné, un artisan têtu, on a besoin de la force de frappe, de ces outils merveilleux que sont les scènes dramatiques, les scènes nationales. En tournée, par exemple, on est passé à Chalon-sur-Saône, je sais pas où, les directeurs ont dit oh, « c'est vraiment parce qu'on fait confiance à Laurent, mais moi, quand j'ai lu la pièce, elle m'est tombée des mains, incapable de la lire, illisible, je trouve. » Et je comprends, mais alors, moi, c'est ma langue maternelle, pour le coup. Ouais. Ça commence par une pièce qui n'est pas la bonne pièce, et un peu une invitation à rentrer aussi dans cet humour-là. She has a spirit, and she dusts with such grace, I find all so feminine. Shut up! T'as trouvé quelque chose? Du bruit par là! Prevent voices. It's the right dustbin, look, still not the right set, not the right play. J'espère que tous les spectateurs qui viennent, il n'y aura pas que les diplômés d'histoire de l'art qui se retrouveront dans la pièce parce qu'il s'agit d'autre chose. Et justement, c'est de ce projet hilar, en fait. C'est un projet de rire, de la fantaisie, parce que c'est quand même. C'est cette denrée-là qu'on recherche aujourd'hui, la belle fantaisie, pas la fausse. Et c'est très agréable quand on sent dès le début justement qu'on se prend par la main et qu'on y va ensemble. Et que du coup on est d'accord aussi pour aller de plus en plus loin dans un humour et cruel et décalé parce qu'au début on a accepté ce code-là. En plus je trouve qu'il fait partie de ces gens qui sont des vrais auteurs, c'est-à-dire des gens qui pour dire le monde l'inventent. Parce qu'on ne peut pas mieux dire la réalité qu'en l'inventant, donc c'est ça. Et ensuite, évidemment, ce qui me touche beaucoup, c'est que c'est un mélange de Nietzsche et de Marx Brothers, les deux étant des gens qui raillent le verre. Il est fort, c'est qu'il arrive, Blutch, à nous faire aimer un zoophile, quoi. Trouver tellement touchant, et c'est là où Stéphane aussi est fantastique, c'est qu'on ne se pose pas de questions, quoi. Depuis 4 ans, une histoire merveilleuse avec Andrew, tu comprends? C'est une chose extrêmement ambitieuse. Et c'est le souvenir de Satan de l'absurde, si vous voulez. Et puis Vincent de Dienne qui permet aussi, puisqu'il a une force d'empathie, de se donner pour une expérience risquée et inattendue comme ça. Je dis chapeau bas à l'artiste. Je suis extrêmement détendu. C'est l'histoire parallèle de deux hommes qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qui vont se rencontrer au moment où ils s'autodétruisent à travers le temps et l'espace, puisqu'on est dans une pièce aussi anachronique. On joue qu'on est deux destins qui allons nous percuter. Et en fait, dans Les Visiteurs, il y a ça par exemple. Dans Les Visiteurs, il y a deux bagues. Il y a la bague de Montmirail, je sais pas quoi, et à deux époques différentes, et du coup, ils ont la même bague. Enfin, il y a deux fois la même bague à deux époques différentes. Et en fait, quand elles s'approchent, tout explose. Nietzsche, en 1889, écrit ses 3 derniers livres, qui sont les plus éblouissants. Il écrit cette espèce de précipité de sa pensée, halluciné puisqu'il va vers la folie. Et c'est la fin de sa vie de penseur. Ces textes qui auraient dû révolutionner plus que la philosophie, les esprits, il pensait que c'était ça qui allait se passer, puis ça n'a pas eu lieu. Avec un copain, on s'était raconté, tiens, on pourrait faire une pièce avec des types qui traverseraient toujours une pièce qui n'est pas la leur, qui sont toujours en train de s'excuser, machin. Et donc j'ai ces Anglais qui arrivent comme ça. Il se trouve que c'est le moment où je suis en train de lire ces textes de Nietzsche. Et puis voilà, je commence à le relier, machin. Et puis tout d'un coup, les choses s'emboîtent. On est sur un plateau de théâtre, il y a plusieurs choses qui s'y jouent, c'est-à-dire qu'il y a déjà des Anglais qui essayent d'y jouer une pièce, mais enfin, ils sont peut-être gourés de plateau. Il y a d'autres gens qui veulent, il y a déjà une espèce de lutte pour prendre le pouvoir sur ce plateau. Vous vous trompez de pièce, madame. Comment c'est-à-dire? La distribution est faite. Là, dans ce cas, je vous laisse mon CV. J'ai joué Shakespeare, Racine, Brecht, sur les plus grandes scènes de théâtre. C'est l'équipe d'Ervart qui est la plus nombreuse qui gagne. Il se trouve qu'a priori, c'est plutôt leur plateau. Après, ils jouent. Les autres essaient toujours de revenir dans le jeu, mais c'est un peu difficile. Voilà, tout fait. C'est le moment. Allez. Bon, ça va. Pour ne pas perdre le fil du spectacle que vous êtes venu voir, je vous propose un résumé des épisodes précédents. Parce qu'il soupçonne sa femme d'entretenir une liaison avec Antoine de Miragor, Hervart met régulièrement la ville à feu et à sang. Ce n'est pas un axe, donc il n'y a pas de tempérament lâche. Un tempérament, ce n'est pas un acte. Le lâche est défini à partir de l'acte qu'il a fait. Pourquoi me dites-vous ça? Et pourquoi pas? Auriez-vous peur? Gardez-vous à droite. Je joue quelqu'un qui est prisonnier d'une pièce de théâtre, qui voudrait s'en échapper, qui voudrait s'en extraire, à qui ça ne plaît pas du tout, que ça n'amuse pas du tout, que sa femme soit une héroïne théâtrale, que ça n'amuse pas du tout, qu'il y ait des gens en face, qui ne comprend pas pourquoi il y a des projecteurs, qui ne reconnaît plus chez lui, qui est obligé d'aller fouiller dans les caves. Ton rôle est moins effrayant. Je te farcis pas toutes ces angoisses, ces tourments, cet enfer mental là dans lequel on me fait vivre. Ervart ne sait pas qu'il est joué par un acteur. Il est un personnage, il est dans un théâtre, il est dans une farce, il est dans une comédie, mais c'est sa vie à lui. C'est pas un personnage comique du tout, Ervart. Il a un peu de farce au début pour installer un truc, mais en fait c'est comme s'il était sur un plateau de boulevard et qu'il ratait la marche pour descendre de scène et qu'il tombait dans un puits d'angoisse, de cauchemar. Dans la pièce, c'est très intéressant, je trouve, vivre la pièce comme un enfermement. Il n'y a pas d'un côté les comédiens et d'un autre côté les personnages, c'est sans arrêt des personnages qui sont aussi ces comédiens. C'est-à-dire qu'il y a de la marionnette dans chaque personnage. Nous jouons, nous respectons des codes. Tu respectes des codes, toi? Quel genre de codes? Des codes d'honneur? Non, je parlais des codes qui régissent un tant soit peu la cohérence de ce spectacle. Qu'est-ce que ça peut foutre? Je te parle, moi, des codes qui régissent l'amitié. Alric ou Philomène, des fois, disent « Mais écoutez, madame, c'est pas une pièce, réaliste, hein, voilà, ce sont des comédiens qui jouent un... Voilà. » Ça leur permet de faire une sorte de dedans-dehors qui est très étrange dans l'écriture de Blutch et très intéressante. Et puis, il y a Anastasia Zilowski qui, elle, cherche du travail, donc vient vraiment de l'extérieur pour dire bah, « Moi, je cherche du travail, donc je cherche un rôle là, s'il n'y a pas quelque chose à jouer. » Mais je n'ai pas une audition, parce que j'ai cassé un lustre. Oh, c'est fâcheux. Stockholm, il est vraiment voilà, dedans-dehors. Ervart, il est dedans-dehors aussi, parce que sa folie lui fait rompre les codes. En ce qui concerne Maurice, il est dedans. C'est-à-dire, lui, il est crétin. Maurice, il y croit à fond. On rigole pas avec ça. C'est les services secrets français, je sais pas. Il faut vraiment, c'est sérieux les services secrets français. Très bien, on verra. Il faut quand même qu'on soit les personnages, parce que si on est trop seulement les acteurs qui jouent à jouer ou qui jouent à jouer, qu'ils jouent comme ça, le danger, ça serait de jouer que du théâtre ou qu'une parodie ou d'être un peu or en fait il y a quand même, et c'est pour ça que moi je trouve la pièce géniale, il y a quand même du vrai drame. Parce que l'acteur devient acteur, se dédouble comme acteur et comme personnage. Que là il se dédouble pas du tout, ils sont complètement bouffés par la fiction. Je sais pas ce qu'il y a dans la tête d'Hervé Blutch, mais lui il adore ça, hein. Il adore ça, prendre en otage des directeurs de théâtre, prendre en otage son public, prendre en otage le théâtre. J'ai l'impression que monsieur ne va pas beaucoup mieux. Non. Malheureusement. Non. Ah bah, elle pose des problèmes scénographiques assez énormes, la pièce. Hein. Il faut se mettre en état d'innocence, en état d'enfance, en état de spectateur lambda, puisque tous les spectateurs est lambda, puisqu'il vient qu'une fois. Avec Alain de Rhône, on a réfléchi très en amont cette scénographie qui doit en même temps être du domaine de la métamorphose, puisqu'on a une trentaine de scènes dans cette pièce qui se passent dans des endroits différents de la maison d'Ervart, qui se passent à l'extérieur. Et puis, ces moments où on tombe dans une faille spatio-temporelle et on retrouve sans arrêt récurrent l'éternel retour de Nietzsche qui vient mettre ses livres dans une poubelle pour les faire exploser. Donc c'est évidemment l'allégorie de est-ce que la pensée peut créer une explosion. Non. Monsieur Friedrich Nietzsche. À distance, on fait un lâcher d'un poids dans la poubelle. Hein. Donc tout simplement, grâce à une commande à distance, tu as une espèce de crochet qui se détache, le poids tombe, qui libère un espèce d'axe qui vient taper le couvercle de la poubelle et qui lui-même enclenche du coup un artifice qui est au fond. Voilà, une réaction en chaîne presque. À partir du moment où c'est lancé, on ne peut plus l'arrêter. L'idée du décor, c'était aussi qu'on était dans la paranoïa d'Ervart et que ce décor proposait ça déjà. Du coup, il fallait donner dans ce dispositif cette souplesse d'un esprit qui peut glisser, qui peut ou s'ouvrir ou se fermer comme des voiles, ou s'appuyer ou se charger comme une toile, ou des portes qui viennent se déliter comme on le voit. On est arrivé à Saint-Etienne début septembre, pour une première début octobre, et début septembre, on avait déjà tout le décor. Ça, c'est assez luxueux, ouais. Heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas été... Ah oui, 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 il faut absolument mettre de l'ordre dans ce monde-là. Et il fallait qu'il ait une vision, et il avait une vision. Il doit se passer un vrai truc avec le galop, hein. Ça doit secouer, hein. Après, tu as la tête toute bizarre. Eh bien, Rick, qu'est-ce qui vous arrive ? Excusez-moi, mais je débute, je vous avais prévenu. Pourquoi on fait pas un autre jeu? Allez, je vous donne une seconde chance, Hervé. C'est gentil. Il faut dire que le terrain n'est pas à mon avantage, il y a un petit dénivelé, là. C'est vrai, ça doit faire comme une décharge, hein. Et non, encore raté. C'est très technique, en fait, Blutch. Ça qui est intéressant, c'est que ça fait appel à une technique d'acteur. Et une technique qui en plus change de registre. Il fait appel au comique, au burlesque, à la tragicomédie, au mélodrame, voire à la pantomime avec Miragor, cette ombre un peu dansante et un peu Frère Jacques ou Mime Marceau. Ce cheval qui fait appel au jeu de marionnettes, on pourrait dire, presque de kabuki parfois. S'y rajoute la vidéo, même s'il y a quelques effets, c'est comme ça en pointillé. Et puis le travail un peu félinien, on va dire, d'apparitions, de fumée et de portes qui peuvent être réalistes. Elles symbolisent l'hôtel très particulier de la maison d'Ervart, mais elles symbolisent aussi des radeaux qui tout à coup se délitent et toutes ces portes comme une espèce de foire de miroir qui n'est finalement que le reflet du cerveau en morceaux d'Ervart. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur de sa tête et il ouvre des portes, il ouvre des portes. Il y a une manière de dire les choses et puis il y a un plateau face à lui, tu le sens que c'est très très précis. Et donc du coup, il pousse les comédiens à rentrer là-dedans, à vraiment se fondre pour essayer de recréer les images qu'il a jetées pendant des années et des années, puisque là en plus il s'agit d'années vraiment. Et après à l'intérieur de ça, les comédiens s'ouvrent et trouvent leur liberté. Donc c'est vraiment donner un cadre très défini dans lequel tu rentres, tu t'installes et à partir duquel tu sors tout ce qu'il y a à sortir du texte. C'est un gros jeu de société ce truc, donc on a envie d'y jouer, puis ça a été facile, il fallait juste qu'on trouve notre règle du jeu, puis nos circulations, tout ça, mais tu vois, les portes, c'est des portes qui claquent, enfin, c'est assez joyeux, quoi. Ça donne envie de s'amuser. Sur une surface qui est fine comme un papier à cigarette, un voile, comme ça, on mélange des univers intérieurs fantasmés. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est du jeu d'acteurs, c'est les acteurs réels qui jouent une scène de fantasme ou de phobie d'Ervart derrière le voile et devant, c'est le visage de Philomène qui est projeté en vidéo. L'idée aussi, c'était d'être dans du vrai, avec une vraie toile peinte, avec des vraies portes. Voilà. Parce que j'ai déjà fait beaucoup de spectacles et où on propose des faux accessoires et tu sens que les comédiens avec des faux accessoires, ils ne sont pas dans ce vrai échange. Et que ça crée un ballet d'objets et d'images qui peut convoquer un espace extrêmement chargé et subitement l'espace vide avec seulement dedans le jeu et les rapports de comédiens dans des costumes extrêmement graphiques et colorés qui font appel, grâce au travail de Colombe Lorio Prévost, à la bande dessinée, par exemple, ou au dessin. Malgré le fait que ça a été un peu rude, comme ça, tout d'un coup, d'être pris dans toutes ces scènes et ces images, finalement, à vérifier. Par ailleurs, quand je voyais les autres sur le plateau, je me disais, c'est hyper beau, mais sans au-delà de la beauté et juste du côté esthétique plaisant. Il y a vraiment des choses sensibles qui se dégagent, je trouve, de ces personnages, des contrastes entre, tu vois, les différentes silhouettes, les différentes énergies. Porte qu'on avait vue qui était l'hôtel particulier devenaient les portes de l'esprit d'Ervart et pour moi c'est très fort le moment où ces portes se sont avancées et il a commencé à ouvrir les portes une à une avec des personnages qui étaient dedans et avec ces lettres qu'on imaginait dessus, ce Ervart qu'on imaginait. Moi là ça a déclenché quelque chose d'assez fort chez moi. Je pense que ces portes elles sont pas loin d'avoir 100 ans. Voilà, parce que c'est un vieil hôtel qui a été démonté, donc voilà, donc c'est ça aussi qui joue. Et qui apporte des choses aussi. Je pense aux objets et ce qu'ils peuvent raconter et dire. C'est une sorte d'orchestre total qui est composé ici, avec une troupe extrêmement éclectique de 9 comédiens, mais avec 28 personnes qui ont travaillé les arts frères, de la musique, du son, maquillage, perruque, costume, vidéo, etc., etc. Et plateau, évidemment, puisque nous avons des techniciens plateaux qui sont aussi des acteurs, puisque Blutch convoquant en même temps que l'histoire se passe dans un théâtre, tous les artisanats du théâtre sont à vue. On est dans le théâtre, ou ce que Robert Abirached appelle l'hyper-théâtre chez Blutch. Qu'est-ce que c'est? Je dirais que d'une certaine manière, c'est d'être totalement dans une histoire, totalement dans des personnages, et en même temps totalement que les acteurs soient conscients d'être aussi des acteurs en train de jouer une pièce. C'est-à-dire qu'on peut voir les régisseurs à vue, qui d'ailleurs, à mon avis, les régisseurs, vous savez, tout habillés en noir, font penser au délire d'Ervart qui voit l'ombre de Miragor, un personnage tout en noir qui coucherait avec sa femme et il dit même à un moment, vous vous parlez en coulisses. It's a tale by an idiot fool of sound and fury, signifying nothing. William Shakespeare. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Je parle pas anglais. Mais c'est tellement beau, tellement vrai. Moi, je frissonne. Voulez-vous que je vous le dise en français? Ah non! Monsieur Antoine de Miragor. Madame. Mais alors dans ce cas, je pourrais peut-être vous apprendre l'anglais. Oh, yes, all right. So, wait. Lesson number 1. This is a dog. What? A dog. It's a dog. Oh, yes, it's a dog. Okay, it's your turn now. What is this? J'ai quitté ce matin mon mari pour m'installer au 2e étage. Comme je vous suis reconnaissant d'être venu, monsieur. A dog. Comme je vous sais gré de me recevoir, madame. All right. Very good. Lesson number 2. This is an elephant. What? an elephant. Ah, yes, it's an elephant. Ervart? An elephant. Oh, very, very good. Puis-je, madame, votre main? Je vous en prie, Antoine. Attendez au moins que nous soyons dans ma chambre. Quelle salope! Ervart, attention. Surveillez votre langage. Lesson number 3. What is this? Pas si vite, pas si vite, Ervart. Lesson number 3. What is this? Votre sexe, madame. Votre sexe, madame. No, 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 it's not my sex, it's a monkey. It's a monkey, a little monkey. Repeat after me, what is this? Laissez-moi toucher votre sexe. Ervart, on pourrait nous surprendre. That's a monkey. It's not a monkey. Je vais te baiser. Oh non. I love you too! Je pense aussi que c'est l'histoire d'une séparation d'une femme et d'un homme qui ont des enfants. Et qui ont un problème de désir. Sur le thème de l'amour, je pense que Philomène, d'abord, c'est un très beau portrait de femme. C'est comme un catalogue de femmes. Elle change de costume quasiment à chaque scène. Cette Philomène qui a moins de textes et qui se réfugie souvent dans le piano, Pauline Huruguen étant pianiste et bien sûr comédienne, excellente comédienne, j'ai trouvé très intéressant que cette femme soit dans le non-dit et soit presque dans un rôle en creux pour dire... et surtout pour ne pas dire, mais pour penser et nous laisser partager ses pensées. Elle est vraiment amoureuse de son mari, elle va vraiment prendre sur elle, et elle joue cette figure de femme qui est plus lucide et qui comprend plus, et qui va accompagner les délires de son mari, essayer de l'aider, mais pas en lui déversant une logorrhée ou en essayant de le convaincre, mais en essayant d'être solide et d'envoyer des ondes. Pascal a dit. Oui, elle n'a pas de projet à part de ramener son mari à la raison. Je me suis demandé, parce qu'on en discutait l'autre jour, à quel moment en fait on avait en vrai et combien de temps on avait en scène, en avec Miragor, en projection complète de ce qui se passe dans la tête d'Ervart. Et du coup, c'est pas si évident parce que finalement, elle a deux personnages à jouer. Un personnage qui est complètement un archétype puisque c'est le fantasme. Et puis, et puis une femme qui quand même est forte. Ce qui est tragique, c'est qu'en fait, il est totalement seul et qu'en fait, c'est toute la guerre qu'il mène, elle est contre lui-même. Il est complètement perdu dans sa tête et dans sa jalousie, mais sa jalousie, finalement, ça n'est qu'un objet, c'est qu'un symptôme, la jalousie. En fait, il se bat contre des fantômes. Je ne crois nullement à ce que je vous ai raconté hier soir. Je ne vous soupçonne, madame, d'aucun commerce avec Antoine de Miragor. J'étais mené par mon imagination. Comme un enfant, et par l'alcool, comme un alcoolique. Je suis désolée de décevoir vos attentes. Tu sais, c'est l'histoire de donner un petit coup de fouet, tu vois, tu tentes plein de choses. Bon, bah ça fait partie de... J'ai essayé un psychanalyste, j'ai essayé d'être sympa, j'ai essayé d'être méchante, bah, j'essaye de me retirer, j'essaye au contraire d'être très présente. Enfin voilà, j'essaye parfois de jouer avec la peur de mon mari, en lui balançant Antoine de Miragor, en lui faisant une blague dessus. Enfin voilà, c'est vraiment plein de tentatives de se rapprocher et de se raccrocher à la liaison avec son mari. Et c'est assez beau, toutes ces tentatives. Ça donne une femme fragile et en même temps très importante et puissante. De Neuve, je sais pas, dans Belle de Jour par exemple, il y a quelque chose qui est complètement... ouais, vraiment cette chose d'écran, quoi, où du coup, il y a un décalage, une friction entre la situation de ce qu'elle vit dans le film et elle, son visage, et elle, qui du coup crée une sorte de... Ouais, d'énigmes, mais c'est pas déchiffrable, quoi, j'ai l'impression. Ça m'intéresse, quoi. Une question encore. Oui. Pourquoi cette décision ce matin? Pour recevoir plus à l'aise Antoine de Mirador dans notre chambre, ça aurait fait un peu désordre, vous ne croyez pas? La vraie raison. La vraie raison est en train de passer devant vous, Hervart! Comment l'amour, c'est aussi accompagner, écouter et regarder. Et elle, j'ai l'impression qu'elle est dans son dos et que lui fait ses conneries, etc. Et qu'elle attend qu'il y ait quelque chose qui se produise, mais de lui-même. Du coup, c'est pas forcément de l'impuissance, le fait qu'elle reste en arrière. Ce personnage est très émouvant, le rôle d'une femme qui regarde justement tout le ballet familial, tout le ballet de la société, de son mari, des affaires, de ce monde. Et on sent qu'elle est, elle, en contact avec des voix intérieures, des esprits, comme elle dit, qui lui donnent une distance et qui lui donnent presque une hauteur, comme si elle regardait ce petit monde des vivants un peu de dessus en disant « je ferai ce que je peux ». Mais il y a une grande mélancolie aussi, une grande sensibilité. Je vais voir mon mari. Pauline en fait un très beau personnage. Après, je ne suis pas sûre que dans l'écriture, il y ait autre chose que des esquisses de ce personnage. Je ne me suis pas reposé la question là, ces derniers temps de « tiens, faudrait-il réécrire Philomène différemment », etc. Parce que je pense qu'une pièce de théâtre, ben voilà, elle a ses fautes d'orthographe. Si on croit et qu'on sort de la pièce, ou qu'on a de l'empathie pour lui, parce qu'on se dit « putain, sa femme, c'est la plus belle du monde et il est en train de la perdre », c'est un problème. En revanche, si on se dit « tiens, il y avait peut-être une belle histoire d'amour avant, elle a un caractère, elle a une intégrité qui la rend forte et touchante » et qu'on se dit « tiens, il est en train de perdre une femme forte », alors c'est plus intéressant. Un changement de conduite sincère vous permettront, j'en suis sûr, de ramener à vous le cœur de votre femme. Tout ce qui orne la femme, tout ce qui sert à illustrer sa beauté, fait partie d'elle-même. Charles Baudelaire. Sa femme, Philomène, fait appel à un psychanalyste citationniste. Méthode qui consiste à soigner les malades par l'injection de citations philosophiques par voie orale, censée agir sur l'inconscient des patients. Mais ce malheureux, en tentant d'intervenir auprès d'Ervart, prend un coup de hache sur la tête et sombre dans une étrange mélancolie, répétant à qui veut l'entendre des phrases empruntées au philosophe Friedrich Nietzsche, locataire d'une chambre dans la maison d'Ervart. D'Hervart, point. Parallèlement, débarque Maurice. C'est-à-dire qu'il est embauché parce qu'il est zoophile, pour éviter le problème de 007 qui, à chaque fois, tombe amoureux ou a des démêlés avec des jeunes femmes très belles, toujours dans 007, ça se passe comme ça. Et là, les services secrets français qui sont beaucoup plus intelligents que la moyenne ont trouvé la parade. Ils ont pris un espion zoophile. Et avec Maurice Gratte, ça va beaucoup mieux se passer. C'est ça le pitch. Parallèlement, débarque Maurice, un agent secret zoosexuel chargé par les services secrets de déjouer les attentats qui se préparent. C'était là où il fallait effectivement aussi travailler, c'est trouver le crétin absolu, mais le crétin volontaire, le crétin qui veut bien faire, le crétin extrêmement disponible, le crétin qui est prêt à découper à la tronçonneuse, le crétin qui, et un crétin très humain à la fois. Il faut trouver le crétin en soi, quoi. Qui, ça c'est pas trop dur, enfin pour moi, je vais pas chercher trop loin, il est là, hein, mon crétin à moi. Je remercie très fort Stéphane d'interpréter cette zoophilie avec autant de sincérité, parce que je pense que c'est pareil en termes d'humour. Je trouve ça par exemple très facile de rire d'une sexualité déviante. Le casque, j'y retourne, à tout de suite. Let's talk about your lovely and precious dustbins before we make love. C'est lunaire, c'est à chaque fois surpris de ce qui lui arrive. Enfin, je trouve qu'il a absolument raison, en tout cas, de l'interpréter avec une grande sincérité et qu'on puisse presque croire à cette histoire, en fait. Il a imaginé un espion qui pouvait vivre une relation amoureuse avec une chamelle ou un caribou pendant plusieurs années. Moi j'étais complètement ailleurs, je sortais de Malise, j'avais fait une sorte de dépression après une rupture violente avec une chamelle. Entre le plateau et les spectateurs, quand tout le monde marche dans cette vaste, j'ai envie de dire supercherie, au sens très respectueux, enfin dans cette blague, enfin, je sais, tout ça pour moi sont des mots précieux. On arrive à ce que le théâtre, pour moi, demande. Le plateau, le public, on fabrique ensemble quelque chose où tout le monde est d'accord pour y croire, alors que, évidemment, c'est complètement faux. Je crois que dans le spectacle, c'est aussi le talent de cette plasticienne qui a fait cet animal qui est très beau. Parce qu'il a la force de l'animal par sa taille, et à la fois, il a la puissance de la marionnette, parce qu'il est impavide, il est énigmatique, elle a un œil qui ne bouge pas, et c'est hypnotique. Bon alors, on y retourne ? Excuse-moi, ça m'a échappé. Bon ! Je crois que ce qui est super, c'est qu'avec toi, Caroline, et avec nos chevaux, il faut qu'on se fasse au moins une demi-journée, voire une journée ensemble. Ah bah oui. Maintenant qu'on prenne notre... Parce qu'en fait, ça va demander beaucoup de temps. Ouais, ouais. Et il faut même qu'il fasse le cheval sans cheval d'abord, il faut te montrer. Parce que moi, je l'aurais fait faire en impro lors de l'audition, je leur ai juste donné une couverture. Ils sont tombés sur le dos. Et ils ont commencé à faire des pas de chevaux, ils faisaient des trucs extraordinaires. Okay. Il faut qu'avec les qualités du cheval que tu as construit, on puisse mettre les qualités de leur jeu de jambes. Oui. Sans qu'ils soient entravés par le truc. Une fois, par contre, ce que je voudrais, c'est qu'au début de la pièce, ça soit magique, ça soit une très belle image de l'arrivée du cheval. Que quand même, le spectateur dise « Oh, un cheval, quoi, dans le brouillard. » C'est une belle bête que vous avez là, Stockholm, et rapide. En effet, monsieur. Merci, c'est une jument franco-espagnole du nom de Faitola. C'est une comédienne qui n'a pas de limite et qui, plutôt que de rentrer dans la peau des personnages, tombe à l'intérieur des personnages. qu'elle incarne et s'y perd. Jusqu'où on est capable d'aller pour le travail. Donc la prostitution, dans ce cas-là, c'est vraiment la compromission. C'est pareil, elle a un côté victime, mais elle a un côté, j'y vais, je tente, je vais jusqu'au bout, jusqu'au boutiste, tu vois, qui est très beau et qui l'emmène loin. Cette présence d'Anastasia sur scène, ici, c'est des gens qui ont pris au piège leur passion. Qu'à un moment, ça devient un supplice. Oui, enfin, j'ai peur. Je s'en seul trompé, abandonné de tous, mais je suis là. Les gens ne disent pas à proprement parler c'est une pièce misogyne, mais ça vient les heurter à un endroit de violence que je trouve assez compréhensible en fait. C'est-à-dire que il y a une très forte humiliation qui n'est pas, quelque part, qui n'est pas résolue. C'est-à-dire que la seule résolution, par exemple, qu'a Anastasia Zilowski, c'est de dire « je vais quitter ce projet, j'en peux plus ». Et au final, elle se fait découper à la tronçonneuse. Donc, en termes d'émancipation, c'est pas le top, quoi. Une femme, c'est signifiant. Si c'est un homme, c'est neutre. Il y a quelque chose d'un peu comme ça. Je suis bien d'accord avec vous, monsieur Bernard. Et en même temps, quand je me vois dans mon beau costume, ça veut dire que ça n'est pas du tout mon idée, c'est Hervart qui l'a tenu. Il m'a annoncé ça comme un nouveau projet pour moi. Une pute! Une vraie pute! Une pute de sérieux! Oui, c'est un peu grossier. Si tu regardes le parcours d'Anastasia Zilowski, elle finit quand même par dire... ouais, c'est du boulot, ouais, merci, c'est du boulot, mais si je pouvais faire autre chose, quoi, ce serait pas mal, parce que j'ai plus à donner, quoi, en gros, moi, c'est ce que j'entends. Si on le défend bien, ça, si on l'ouvre et qu'on le donne bien à entendre, je me dis que ça sauve quelque chose qui pourrait être ambigu. Non, mais après, ce qu'on peut questionner aussi, c'est le rire, en fait. Je pense que les gens peuvent se demander pourquoi on fait rire avec la misogynie, alors qu'on est en plein dedans et qu'en fait... C'est un vrai problème. C'est un vrai problème fondamental de société. Donc, effectivement, pourquoi on en rit et surtout comment on en rit, je pense que c'est des vraies questions. J'ai envie de manipuler en tout cas cette question de peut-on rire de tout et cette pièce avec beaucoup de délicatesse. J'ai très fort en tout cas ce besoin de sentir qu'il y a une tendresse aussi envers le public et de ce que je disais un peu de ce pacte du début, de se dire on se prend la main ensemble pour aller vers la noirceur et la connerie, mais on y va ensemble. Et ça c'est l'explosion aussi du rire, et de quel rire, c'est-à-dire puis de la cruauté aussi. Il joue beaucoup aussi sur une forme de cruauté que je trouve très bien, ce qui est toujours... Il bat froid un peu son public. Il y a des moments où, d'ailleurs, il y a du silence total dans le public, parce que c'est cruel. Et c'est précieux aussi, parce que c'est... Où est-ce qu'on est, quoi? C'est pas du tout comique, c'est un mode d'expression dans le monde comme il va. Les gens peuvent se faire virer aussi, on peut perdre son travail, on peut perdre son rôle, on peut être viré de la scène. Vous êtes viré du jeu. C'est cauchemardesque d'être viré. Du jeu. Adieu, c'est ça, c'est toi qui cèdes la place, Alric. C'est toi qui cèdes la place, Alric. Tu n'as pas d'histoire, Alric, pas de grandeur, tu ne déroules aucun fil, tu n'es qu'un passeur de répliques. Adieu, Alric. Tu ne valais même pas un cheval, mais tu as gagné un destin. C'était un rire d'explosion, un rire de « ah » de la part du public, et de saisissement, une sorte de défense, une sorte d'explosion de rire, parce que, ou de stupeur. This is not my play, but I'm looking for my husband. A tall fellow with messy hair wearing a cap. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est elle. Mr. Monsieur Gratte. Et de temps en temps, alors on trouve un... je sais pas, cinquième, sixième parallèle, dans la réaction de la ville de Paris aux attentats de New York, qui avait interdit les poubelles. Alors, ce qui fait que la poubelle, très implicitement d'ailleurs, on n'a pas besoin de le savoir, devient un des insignes de la vie contemporaine post-attentat de New York. À l'époque, c'était les poubelles. Les premières victimes. J'avais du mal quand même à dire les premières victimes sont des poubelles. Bon, ça avait un peu du mal à sortir. Et donc j'avais arrangé la réplique pour rajouter à l'époque. Figurez-vous, je ne sais pas si vous le savez, mais dans 80% des attentats, c'était les poubelles, les premières victimes. Enfin... à l'époque. Alors, forcément, dans la salle, il y aura des gens qui, choqués comme moi, ou même très probablement qu'on perdu quelqu'un au Bataclan, aux terrasses. Et bon. Donc oui, on a changé ça. Et en fait, j'ai quand même pu constater que finalement, les gens n'étaient pas si choqués que ça. Donc c'est moi que ça dérangeait. Moi, je trouve que c'est très intéressant à un moment de savoir perdre aussi repères et références, pour se retrouver soi-même un petit peu plus loin, quoi. Je crois que je n'aurais pas pu m'empêcher de déguster un petit garçon. Et oui, bien sûr que cette phrase, ça me gênait, mais il faut du temps pour absorber l'esprit d'un auteur. Maintenant, ça ne me choque plus du tout de le dire, ça m'amuse. Concernant sa réplique sur le petit garçon, je trouve que c'est tellement dans son rôle, c'est tellement elle à ce moment-là, elle est un peu faillotte, elle a besoin de... et puis, elle veut, ils sont tous en train de... à part Philomène, justement, ils sont tous en train de prendre au premier degré ce que vient de dire Maurice. Donc, ils sont tous persuadés que Maurice est pédophile. Et donc, on part dans cette conversation un petit peu comme ça, détendue. On parle de pédophilie entre amis, c'est un pique-nique, c'est sympa. Et donc, voilà, elle a cette... Moi, je crois qu'on est sur un plateau de théâtre, on n'est pas... c'est pas un discours du maire. Ou, je pense que c'est important qu'on sache aussi où les choses se disent. Je trouve que c'est très difficile de savoir ce qu'on produit avec ce spectacle. Ah, ça, c'est vrai. Et des fois, je pense, pour nous en tant que comédiens, on est tous passés par des moments de doute, en fait, de se dire, mais qu'est-ce qu'on raconte au fond, en fait, et de notre responsabilité aussi de ce rire qu'on provoque, et de quoi on rit, et de quoi on fait rire. Et moi, c'est encore une question que je me pose, et ça me fait... Et en plus, c'est très dur de savoir, parce qu'en fonction des gens avec qui on discute, c'est pas vécu du tout de la même façon. Ouais. Il est un peu dynamiteur, le père Blutch, il fait de la... les bombes, c'est des bombes dans des poubelles, mais c'est aussi... il essaye d'écrire une bombe aussi, une chose qui dynamite les formes de théâtre. En fait, c'est plus l'endroit, je pense, de l'absurde qui, finalement, choque les gens, tu vois. C'est une vraie œuvre d'art dans la mesure où... il y a quelque chose de pénible, enfin, ça demande de l'effort, en fait. Ça sollicite un endroit que, voilà. Il y a un côté pied de nez aussi, pied de nez à toute cette peur qu'on veut, qu'on veut nous faire ressentir. Et ça, c'est assez agréable. Et je pense que c'est nécessaire. Et je trouve que ça tombe très bien aujourd'hui, qu'on a aménagé les choses pour que, tu vois, il n'y ait pas de moment où ce soit insultant vis-à-vis de qui que ce soit. Et juste, ça, hop, ça met de la distance. Et le théâtre est là pour ça aussi, quoi. Mettre de la distance et de la légèreté dans les choses et dire, ben, on continue à vivre. Pour le personnage, sa vie est en train de flamber dans un théâtre. C'est comme si on avait appelé 700 personnes pour regarder mourir quelqu'un. En ça, ça parle du terrorisme aussi. De la violence d'aujourd'hui et du spectacle, de la cruauté, de tout ça. Moi, je crois que par exemple, la scène où un peu là, ce qu'on appelle la révolte des Anglais, c'est-à-dire le moment où il y a la traduction, le cul du cheval, tout ça, elle me fait du bien un peu aussi que les personnages s'insurgent contre cette pièce. Ça me fait du bien, ça, par exemple. Bah, puisque c'est écrit n'importe comment, bah, je trouve qu'il y a un humour de l'auteur comme ça à aussi dénoncer son écriture et la façon dont c'est complètement emmêlé. Et moi, quelque part, je me dis que peut-être ça soulage aussi un peu. Que les gens disent « bah ouais, mais c'est vraiment n'importe quoi, là ». Enfin... On a quelque chose, en fait, en même temps d'assez accueillant et d'assez bienveillant dans la folie, d'assez ouvert. Moi, j'ai l'impression que c'est... L'œuvre d'Hervé Blutch, c'est quand même un fou qui nous ouvre les bras en souriant, en disant « allez, on peut quand même bien déconner un moment, quoi ». On peut prendre exemple à un enfant, un tout petit môme, où lui offrait un jeu de cartes ou un jeu de puzzle et tout, sans lui expliquer les règles. En fait, du coup, le jeu l'intéresse, mais il n'a pas les règles. Et puis, si le jeu est intéressant, c'est vraiment le jeu devient intéressant. Le cadeau que vous faites, il est vraiment intéressant au moment que le môme se fabrique d'une nouvelle règle avec ce même jeu, mais il est totalement à côté du truc. Mais si c'est réussi, et du coup dans le cas de ce texte, c'est vraiment réussi. En fait, on propose quelque chose, mais avec des règles qui sont totalement déplacées, qui sont réinventées. J'appelle ça un univers post-dramatique. Pas du tout dans le sens où on l'a employé, mais c'est-à-dire qui met entre parenthèses un moment qui est le moment du jeu, qui s'ouvre et qui se referme dans l'espace du théâtre. On a besoin d'un message à la fin du spectacle et on a besoin de quelque chose d'un petit peu choc, qui fasse qu'on sorte du truc en se disant « Ah ben oui, quand même, il avait un truc à nous dire » plutôt que faire que des conneries là. En plus, cette histoire de petite fille, enfin de dame qui veut, avec les petits garçons, sucer des zizi. Non, c'est vrai. Ça, souvent, ça dérange un peu. C'est vraiment un grand poème dramatique qui, pour moi, est une grande pièce politique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que justement, elle a l'élégance de ne pas nous faire la morale. C'est le moins qu'on puisse faire quand même quand on parle de Nietzsche. Alors le théâtre dans le théâtre ici n'est pas une technique d'écriture, simplement. Mais ça va beaucoup plus loin. Mais ce qui reste à jouer inlassablement pour défier le bon sens universel. Le bon sens universel est en fait défié par une construction inlassable de théâtre dans le théâtre. Moi, je pense que la pièce me dit quelque chose une fois que je l'ai terminée, mais je me dis pas tiens, j'ai un truc à dire et je vais le dire comme ça. Je crois que c'est Camus, il disait je vais traiter de tel thème, alors il y aura une pièce, un essai, un roman. Et puis là, tel thème, une pièce, un essai. Non, enfin voilà, c'est pas du théâtre didactique et puis j'ai pas de projet de dire quelque chose. Je pense que ça dit des choses sûrement, mais ça m'en dit surtout à moi au départ. Et puis, je crois que c'est bien de laisser un peu en liberté. Le texte est tellement chiant, les gens qui ont des trucs à nous dire, surtout au théâtre. Non, c'est vrai, si tu as un truc à me dire là, on peut en parler. Pourquoi cette décision ce matin? Pour recevoir plus à l'aise Antoine de Mirador. Dans notre chambre, ça aurait fait un peu désordre, vous ne voyez pas? Très drôle. Très drôle. Ah oui, il m'a dit adieu, il m'a laissé tout seul. Il vous aime, Ervart, il reviendra. Non, non, il ne reviendra pas. Je le sais, il a sa fierté, Alric. Il est fier. Mais on s'aimait. Tellement. Il s'agit d'un groupe basé à Londres dont l'objectif assumé semble être la lutte contre les homosexuels. Ils ont été très explicites sur ce point. Comment? Tout se recoupe, tout s'éclaire. Qu'entendez-vous par là, mon colonel? Ah bon? Vous avez retrouvé la poubelle, hein? Et vous avez retrouvé à l'intérieur un livre complètement déchiqueté. Et alors? On va pas se mettre à couper dans le texte tous les petits trucs qui font frissonner le public, sinon le public ne frissonne plus. Et il vient là pour avoir un petit peu de frisson quand même. Le metteur en scène, c'est celui qui va faire la pièce. Oui. Eh bien, c'est bien. C'est le monsieur derrière toi. Là, oui, bah, il avait rencontré, non? On s'était rencontrés plusieurs fois, mais comme ça bouge beaucoup dans le théâtre, je ne sais jamais qui sont vraiment les... Et donc là, ce sont les bons, je crois. Ce sont les acteurs qui vont le faire pour la... Eh bien, je les ai trouvés super.